Bonjour, je suis là pour vous présenter un coup de cœur d'un auteur que j'adore en fait, que j'avais invité pour les rendez-vous de la bande dessinée. Donc il sera invité l'année prochaine, bien entendu, en fait, et c'est cet auteur en fait, c'est José Luis Munuera. Il vient en fait de faire une série absolument géniale, en fait, une reprise d'un personnage. Alors c'est un personnage qu'en fait tout le monde connaît, c'est Zorglub. Donc Zorglub, enfin, j'espère que tout le monde connaît en tout cas, Zorglub c'est le méchant dans Spirou et Fantasio, c'est un inventeur absolument génial et complètement loufoque, qui a inventé la Zorglonde, qui a inventé voilà, plein de choses géniales qui pourrissaient la vie en fait de nos deux reporters préférés, on va dire. Et dans cette version en fait, José Luis Munuera lui invente en fait une histoire et une vie qu'on ne connaît pas puisqu'elle sera pas liée à Spirou. Hein. Et il va nous raconter en fait des petites histoires en un tome. Donc la première en fait, on le suit dans les aventures en fait où ben voilà, on s'aperçoit qu'il a une fille, une ado de 16 ans. Une ado de 16 ans, c'est pas simple, surtout qu'en fait elle est en train de flirter et ben lui en fait en gros papa gâteau en fait ne supporte pas ça et va un peu pourrir la vie de sa fille et également du dulciné de sa fille. C'est très très drôle, c'est très décalé, surtout que bah, il a inventé en fait un robot révolutionnaire et plein de gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent en fait et à ou au pire en tout cas à faire un peu tout ce qu'il faut pour récupérer ce robot hyper puissant et hyper sophistiqué. Voilà, donc c'est très très drôle, c'est très léger, on est vraiment dans la grande aventure. Et voilà, et en fait, ce méchant, en fait, ben voilà, il a quand même un côté très très sympathique et voilà, il est vraiment adorable pour ça. J'ai pas ramené le tome 2, mais en fait, je vous présenterai quand même rapidement le tome 3, où là, en fait, il a inventé une machine diabolique, en fait, il a un clonage, enfin, n'importe quoi, c'est une substance, en fait, qui reproduit en fait avec de l'ADN, qui reproduit en fait les gens, souvent des gens célèbres. Dans le premier, en fait, il y a un milliardaire russe qui demande à avoir le clone d'Elvis, et voilà, il va lui amener. Sauf que cette invention, elle n'est pas encore stabilisée, et bon, au bout de 15 minutes, le clone disparaît en fait, et donc le Elvis se retrouve en espèce de flaque liquide, dégueulasse. Et ce fameux milliardaire russe, en fait, va tout faire pour tuer Zorglub. Voilà. Et en fait, on va se retrouver encore avec une aventure complètement loufoque et décalée, et encore toujours aussi drôle. C'est vraiment une série fabuleuse. On attend le tome 4. Alors, je ne sais plus s'il devait sortir sur le festival, mais en tout cas, voilà, le tome 4 est prévu pour bientôt, et j'attends ça avec impatience. Merci!